point mort. Peut-être. Ouh, bon alors, nous sommes à bord d'une Chevelle de 1972. Cette Chevelle a eu droit à une transplantation cardiaque. Ouais, on peut appeler ça comme ça, une transplantation cardiaque, ouais. C'est-à-dire qu'on a changé son cœur battant. Étant donné que le vieux avait des bruits quand il battait, il y en a un qui a dit, allez hop, on repart à zéro. Donc là, nous sommes sur un bloc neuf. Déjà que je fais rarement gueuler les trucs, là je le fais pas gueuler du tout. Parce que nous avons un rodage. Alors rodé, c'est rouler mollo le temps que tout le monde se mette à sa place. Donc là, pour l'instant, on contrôle que le moteur aille bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'elle s'éteigne pas toute seule, qu'elle bug pas à la mort. Là, pour l'instant, c'est notre objectif. Donc il y avait un 350. Donc un des moteurs les plus courants, Chevrolet, le groupe General Motors, on a foutu partout, dans les camions, dans les bateaux, dans les bagnoles, dans les avions, dans les vélos, dans les trottinettes, dans les skateboards, dans les lasagnes, dans les tourtes aux choux, dans les nems, dans les sushis, partout. Le 350 CI, tu le fous partout. Prends la 350, fourré au 350, recouvert de 350, au four, thermostat 7, et t'arraches du bitume, mon pote. Bon bref, donc c'était un 350, on a mis un 350. 350, virgule à la ligne tirée un trait. 9. Ça, c'est les voisins, tu vois. Coucou. Voilà, ils font coucou aussi. Sympa le sud, hein. On fait tout ce coucou. Une fois qu'on a changé le moteur, on a essayé un peu l'auto. C'était n'importe quoi. Elle a calé, c'est éteint, net. Et en fait, le carbu a dit, moi, les joints, elles ont dit ciao. Alors moi, je dis ciao aussi. Putain, ce levier de vitesse, sa mère. Du coup, elle marchait plus. Donc, j'ai commandé un carbu neuf. On a mis carbu neuf. Non, ça tourne. Enfin, pour l'instant. Bon, après, on a eu la fuite d'huile gargantuesque. Là. Parce qu'au début, tu roulais, t'avais une espèce d'odeur infâme là, dans l'habitacle. Quand tu regardais dans le rétro, t'avais une grosse fumée blanche. Un blanc bleu. Alors, petit cours. Fumée bleue. Enfin, vous attendez pas à un bleu schtroumpf non plus. Hein. C'est un blanc voilé bleu, quoi. Fumée bleue de l'huile. Fumée blanche de l'eau. Fumée noire, tout le reste. Et bon, là, c'est-à-dire tout. Donc maintenant ça pue plus, ça fume plus, ça bug plus trop. Donc là on fait un test en roulage pour voir un peu ce que ça donne. Et après nous allons passer à la phase 2 qui est mettre une direction assistée. Parce que là celle-là faut faire 200 tours et en plus elle n'est pas assistée donc c'est un peu chiant. On va mettre un volant joli parce que là il y en a un forcément. Mais il est vraiment pas foufou. On va mettre plein de petites conneries après. Et en théorie si tout va bien on va être pas mal. Alors j'ai eu aussi un truc sympa que j'explique qu'à moitié. Quand tu braques les roues, enfin quand tu braquais les roues, faut tout mettre passé maintenant. Quand tu braquais les roues, tu sentais que ça freinait tout seul. Mais grave. Donc, après moult recherches, je me suis rendu compte, parce qu'on ne l'entendait pas, je me suis rendu compte qu'il y a un gars qui a changé un étrier à l'avant droite, là-bas, et ce gars-là s'est dit, moi je m'en fous, je ne serre pas l'étrier. Donc la vis est sortie et est venue se poser contre le disque et ça frottait. Alors, pourquoi ça bloquait quand tu tournes? Les étriers sont fixés sur les bords moyeux et enfin, il n'y a aucune raison que quand tu tournes, l'étrier bouge différemment. Mais, il s'avère que c'était ça. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Et maintenant, voilà, donc maintenant, un petit peu de cette Chevelle, on peut parler de choses et d'autres. Putain, quel bonheur! Ah, elle roule tellement mieux! Ça, avec une direction assistée, ça va être un bijou! Un bijou, simplement un bijou! Ça fait longtemps que j'ai pas posé une question parce que, en vrai, l'autre question ça a été rigolo au début. Alors, j'ai pas dit la Corsa c'est de la merde, j'ai dit c'est super triste de rêver de la Corsa. Pour moi, c'est mon avis personnel. Le rêve, c'est quelque chose de personnel. Mais je trouve ça d'une tristesse. D'une tristesse. J'ai eu quand même 2-3 gars qui se sont un peu énervés, genre « Hey, Bugatti Veyron !» Alors, je sais pas ce qu'ils ont prévu comme carrière, mais ma foi, tant mieux pour eux. Mais alors maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je pose une autre question. Et il faut surtout que je pose une autre question pour arrêter d'avoir des réponses à la question d'avant. Parce que là, maintenant, il y a tous les retardataires qui se réveillent, et c'est toujours les mêmes bagnoles dans les retardataires. Et la Mercedes truc, et la Nissan machin. Non, j'en ai marre. On a plusieurs catégories de gens qui regardent cette vidéo. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces vidéos, on a réussi à prendre toutes ces catégories, à faire, à les mettre dans une. On a un panel très large. Donc il faut trouver une question qui corresponde à tout le panel. Parce que la dernière fois, j'ai dit, c'est quoi votre voiture de rêve fin de carrière? Bon, il y a un certain panel qui s'est retrouvé un peu... c'est-à-dire que moi, je suis au-delà de la fin de carrière. Donc bon, ta question, je l'ai déjà. Soit je me rends compte que ma vie est un échec. On a eu 4 pendus quand même sur la dernière vidéo. Alors, quelle question on pourrait poser qui touche tout le monde? J'ai aucune envie de toucher tout le monde. Ah oui, alors, quelle vidéo, ça va nous aider ça pour après, laquelle des vidéos est votre préférée? Comme ça, on voit à peu près ce qu'on doit faire. Est-ce que vous êtes plus plein d'incrustations très dynamiques ou alors le truc très mou? Les trucs en voiture ou les trucs dans le garage? Quelle est votre vidéo préférée? Alors, si vous avez vu que celle-là, vous pouvez répondre à celle-là. C'est un peu con quand même. Ok?
qu'aller voir les autres, partager les autres, contacter des gens de télévision. Nous aussi, on veut une émission où on raconte que des mensonges. J'aime beaucoup mentir. Quelqu'un de la télé voit ça, j'adore mentir. Je mens tout le temps d'ailleurs. Là, par exemple, on n'est pas dans une chevelle. C'est un filtre. En vrai, depuis le début, on est en modus. Et je suis pas mécano non plus. C'est un filtre noir. Je suis faussement sale. Je suis podologue, moi. Je suis en costard dans une modus en train d'examiner un pied de vieille. Rien à voir. C'est fou ce qu'on fait avec Internet. Toi, faudrait, ça serait bien que tu arrêtes de me faire l'amour à mon pare-choc, par contre. Merci bien. C'est gentil. Ouais, tu peux t'arrêter pour regarder si tu veux, mais tu restes loin. Pourquoi il colle au... Dès que le truc a l'air un peu énervé, genre là, elle est noire mat. Ça fait un peu genre... Il fait trop la course, tu es out. Et dès que c'est une allemande, hein, les autres non, hein, mais dès que c'est une voiture allemande, ils te collent au cuisson là. Putain. Voilà. C'est fini. Bon bah moi j'ai bien parlé. Puis bah bisous, bonne nuit. Allez, je prends mon sac. Ça c'est mon sac de chasse. Dedans j'ai tout mon équipement de podologue. Allez, je vais m'occuper des pieds. Salut.